Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va lire un petit texte qui parle d'un voyage. Le titre est « Mon carnet de voyage ». À la gare, en famille, nous avons attendu le train de Sétif. L'attente était longue. Une fois le train annoncé, nous étions prêts pour notre voyage. Il est parti en retard. Installé sur les sièges, on est libéré du souci des bagages. Un peu plus tard, le train a atteint les hauts plateaux. Alors, il s'est mis à peiner comme une tortue. J'ai admiré les paysages exceptionnels défilant au ralenti, j'ai aperçu toutes sortes d'animaux, des ânes, des dromadaires, des cigognes, des vaches, parfois des singes. Pas d'éléphants, pas de lions, pas de tigres, non? D'après Azouz Begag, un train pour chez nous, Alger, Cédia, 2006, page 25-27. Alors, comme vous avez vu, les enfants, ce petit texte a un titre et ici, on a l'auteur. Quel est le titre du texte? Le titre, c'est « Mon carnet de voyage ». Qui est l'auteur? L'auteur est Azouz Begag. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit le train qui avance doucement et à travers les fenêtres, les passagers vont voir et vont admirer le paysage exceptionnel. Ici, on peut voir le dromadaire, on peut voir des ânes, des vaches et parfois des singes. Comme on peut voir ici des cigognes. Quelle est la destinée ou le train ou ici, le train va vers Sétif. Alors, on va répondre ensemble aux questions qui sont sur le texte, sur le livre. La première question, on a lu le texte, puis écrit vrai ou faux sur ton ardoise. La première phrase, Azouz est seul à la gare. On va chercher ensemble dans le texte, est-ce que c'est vrai ou faux? Alors, ici, on a à la gare en famille, ce qui veut dire que Azouz n'est pas seul. Il est en famille, il est avec sa famille. Alors, ici, on va mettre faux. Deuxième, Azouz a attendu le train de Gardaïa. On va chercher dans le texte s'il a attendu le train de Gardaïa. Alors, nous avons... La phrase ici, nous avons attendu le train de Sétif. Alors ici, on va mettre faux. C'est pas le train de Gardaïa, c'est le train de Sétif. Troisième phrase, l'attente était longue. On va voir, on va chercher dans le texte, l'attente était longue ou elle était courte. Alors, on cherche ensemble. On cherche ensemble, l'attente était longue. Allez, elle est dans la deuxième ligne. Ici, on va mettre vrai. Le train est parti en avance. Le train est parti en avance. On va chercher ensemble la phrase du train est parti en avance. Alors ici, on a il est parti, il l'a. Ici, il remplace le train. Il est parti en retard, ce qui veut dire que la dernière phrase, on va mettre ici faux. Allez, maintenant deuxième question. Relis le carnet de voyage d'Azouz pour répondre aux questions. On va le relire, on va relire le texte, puis on répond. Puisqu'on a bien lu le texte, on sait bien qu'est-ce qu'il y a dedans. On commence directement par la première question. À quoi la famille d'Azouz est-elle prête? Alors, une fois le train
annoncé, nous étions prêts pour notre voyage. Ici, on peut répondre par une phrase complète. On va dire, la famille d'Azouz est prête pour leur voyage. Question B. Que s'est-il passé quand le train atteint les hauts plateaux? Alors, quand le train atteint les hauts plateaux, il s'est mis à peiner comme une tortue. Selon toi, pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que c'est une pente et le train va ralentir un peu. C'est qui a admiré Azouz? Alors, ici, on a cette partie, c'est le deuxième paragraphe. Azouz parle maintenant. Il a dit que j'ai admiré les paysages exceptionnels défilant au ralenti. Alors, Azouz a admiré les paysages exceptionnels. 3. Avec ton camarade, trouve les animaux aperçus par Azouz, puis montre-les sur le dessin. Alors, on va chercher dans le texte quels sont les animaux que Azouz a vus. Alors, il y a cette partie, j'ai aperçu toutes sortes d'animaux, des ânes, voilà les ânes, des dromadaires, ici on a un dromadaire, des cigognes, et on a les cigognes, des vaches, et voici les vaches. Puis, parfois, des singes. Et on a le singe.